depuis le soulèvement démocratique de janvier 2011 pour accompagner au mieux la mutation de la Tunisie. Depuis janvier 2014, plus d'un milliard d'euros, ça veut dire 2,5 milliards de dinars tunisiens, d'investissement a été consacré à la mise en œuvre de projets de soutien aux entreprises, infrastructures, logement social, éducation des jeunes en Tunisie. 60% de ces financements de la BEI ont été affectés au secteur privé. Depuis que la BEI a commencé à délivrer des financements aux banques tunisiennes depuis 1998, le montant débloqué s'est élevé à 685 millions d'euros, soit 1,5 milliards de dinars tunisiens. Sur ce montant, 306 millions d'euros sont passés par le réseau de la main, soit 675 millions de dinars, ce qui représente 45% de l'effort financier alloué par l'UIB, l'entreprise tunisienne, à travers les banques tunisiennes. C'est grâce à ces ressources que la même banque a réussi à s'imposer en Tunisie comme étant la première banque de financement du secteur privé tunisien. Sans le soutien de la BEI, peut-être nous ne serons pas en mesure de le faire. Grâce à ce fonds, la même banque a financé 270 projets implantés dans toutes les villes de la Tunisie, dans toutes les régions de la Tunisie, ont été à l'origine des créations d'un nombre d'emplois que nous estimons à plus de 4000 personnes, principalement des cadres et des diplômés tunisiens. Et dans ce partenariat, ce que je souhaitais également insister, c'est le partenariat que nous voulons avoir avec MMBank dans le cadre de nos comités d'engagement, dans le cadre de l'instruction de notre société, pour nous aider à améliorer notre gouvernance, pour nous aider à amener ces jeunes entrepreneurs à aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui est vraiment primordial. Au-delà de l'aspect financier, où on va évidemment leur permettre d'accélérer leur procédure au niveau de l'instruction de leur dossier, on va leur permettre d'aller beaucoup plus vite auprès des banques, on va leur donner également la possibilité بقية هامة جدا لأنها عقدت مع البنك الأوروبي للاستثمار مبلغها 50 مليون يورو بقرابة 30 مليون دينار ستستعمل من ترمب الأمان في شكل قروض تمنح لمختلف المؤسسات الاقتصادية العاملة في تونس في مختلف القطاعات وأيضا في مختلف أماكن وولايات الجمهورية وهي في الواقع اتفاقية تعطي امتيازات واضحة وجلية للمؤسسة التونسية لأن القروض تعطى لمدة 10 سنوات يعني المدى الطويل القروض هذه أيضا تمرح كما أسلفت بشروط هي شروط السوق في شكل فازنج وهذا قسط من هذه هي القروض تخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن لها أهمية كبرى في خلق التوازن الجهوي في تونس وهذا في التشجيع على الشغل وعلى التصديق. هذه معناها اتفاقية مع البنك الأوروبي للاستثمار اللي هو معناها شريك لينا ونتعامل معه زمان طويل وكما أسفت في محادثة في التي عقدتها احنا مع البنك الأوروبي للاستثمار كان لينا معناها تعبئة ما يقارب 300 مليون يورو ما يقارب ما يزيد على 700 مليون دينار. إذا هناك مبالغ أعتقد محترمة وتأتي تباعا حسب حاجات المؤسسات. Oui, comme on vient de dire, l'objectif c'est de signer une opération de financement par l'intermédiaire de la même banque. Mais je tiens à souligner ce qui a été dit par la présentation. C'est bien l'objet d'une signature d'un prêt de financement. Mais si vous voulez, c'est un peu plus que ça. C'est l'occasion d'un partenariat. Je pense que c'est très important de souligner ça. Ce n'est pas un financement comme peut-être d'autres. Parce qu'avec cette signature, on signifie une collaboration, non seulement avec la même banque, mais aussi avec les restaurants entreprises. Et cette valeur de partenariat, je viens de le souligner, c'est très important pour nous parce que pour la Banque européenne d'investissement, ce n'est pas seulement important d'octroyer des financements aux petites et moyennes entreprises, mais aussi de savoir que ça vraiment aboutit à son objectif final, que c'est d'améliorer les conditions de financement de PESTEL. C'est aussi finalement, si vous me permettez, à part le partenariat, un signe de confiance. Je tiens aussi à souligner cette importance. C'est, comme M. le Président l'a dit, c'est un prêt novateur. Contient de clauses qui ne
ne sont pas utilisées dans le passé, notamment pour ce que signifie la confiance non seulement dans le banque qui fait aujourd'hui la location de prêt, la même banque, mais aussi, si vous me permettez, aussi un signe de confiance à la Tunisie. Alors, nous avons des projets dans beaucoup de domaines différents, comme la technologie, des projets dans l'agriculture, des projets dans la transformation des copeaux de bois. Nous avons des projets différents. Mais nombre, madame, nombre de projets. Et on a financé aujourd'hui, bon, on a un peu plus de 100 lauréats. Nous avons accès à 100 projets qui ont elles font de prêts et d'air. Ou elles, mieux et d'humain, 300 000 mètres de chambre.